drop shot. Perche. Mais moi, crochet. Poisson. Bon palette. C'est joli. Ça, c'est de la perche. C'est joli. Oui, c'est très joli. Des grosses perches. Hein. Brochet? Non, perche. Perche de 40 encore. Deuxième perche de 40. Perche de 40 encore. 40, 40. Perche de perche. C'est que ça comme perche. Là, je vais en toucher plein, plein, plein. Beaucoup. Ça, c'est son mètre. Une petite tête. Ou les perches, il y en avait, il y en avait plusieurs. Encore une perche, il y en a. Non, c'est putain, c'est bon. Hop. Encore une perche. Encore le chercher. Je vais pas la remonter trop vite parce qu'il y a 12 mètres de fond. Elle va faire monter toute seule.
ça décompresse un peu, ça c'est... Non, ça va plus sortir. Hop. Doucement. C'est joli ça encore. Très joli ça. Encore. Ouais, très joli de perche. Il n'y avait pas d'écho, mais... Il y a quand même ce feu-là. Encore une perche de 40. Piqué sur le bord. Bon, on va la relâcher, elle, direct. Attends, une dernière photo. Je relâche direct elle parce que... Et puis je passe dans la bruche déjà. Hop, allez, on part. On se retrouve pour la partie montage d'un plan palette. Comme vous avez vu, quelques poissons déjà. Et par la suite, vous en verrez d'autres. Donc je vais vous montrer exactement comment monter un plan palette vous-même. Je vais vous présenter tout de suite ce que vous allez avoir besoin. Vous allez avoir besoin, bien sûr, d'un octopus de la taille que vous désirez. Un émerillon baril, comme celui-ci. Un plomb pour le plomb palette, spécialement pour. Donc il a une forme un peu comme une pyramide. Et il est percé à son extrémité. Et après, il existe plusieurs grammages que vous pouvez choisir facilement. Ensuite, il vous faudra deux petites perles molles, comme celle-ci. Voilà. Un petit morceau de gaine en silicone. Mais vous pouvez très bien utiliser du Scooby-Doo, ça coûte beaucoup moins cher. Et c'est très facile, c'est exactement la même chose. Nous, on utilise du Scooby-Doo, un petit morceau de 1 cm à peine. Ensuite, un hameçon triple, un hameçon adapté bien sûr à la taille de votre octopus. Donc là, ça va être du numéro 6 ou du numéro 4, je sais pas trop. Ça doit être quelque chose comme ça, 6 ou 4. Et un filtre à tabac. Donc ça va permettre de faire planer en fait le... l'octopus, et vous pouvez rajouter dedans, incorporer de l'attractant. Il restera à l'intérieur. Donc le filtre se passera à l'intérieur de l'octopus. Voilà, donc bien sûr, pour monter tout, il faudra du fluorocarbone en 30 centièmes et une aiguille pour pouvoir passer l'ensemble sur l'octopus. Allez, c'est parti, on passe à la phase montage. Alexis va prendre environ 80 cm de fluorocarbone. Voilà. Il veut bien. En 30 centièmes, comme je l'ai dit juste avant. Ouais, même un mètre. Ouais. Comme ça, on a de la marge. Voilà. Fait une boucle environ 20 cm. Une boucle de 20 cm en va-et-vient. On passe trois fois dedans. Ouais. Sinon, le nœud, il est pas assez épais. Et la gaine Scooby-Doo et les perles, elles passent. Ouais. Donc un nœud triple. Hop. Voilà. On serre. Voilà. Hop, serré. Et serré, donc là. On va mettre 20 cm entre le nœud et le bout. On coupe l'excédent de la boucle. Voilà. Hop. Après, on va mettre la perle. Tu glisseras pas. On va mettre sur l'aiguille, ça sera plus facile. Avec le Scooby-Doo. Voilà, comme ça, on passe tout dans l'aiguille. Et on fait tout glisser. Hop. Jusqu'au bout, on le mettra après. Après, on met le plomb palette. Donc on glisse le plomb. C'est un peu dur. Ça avec l'aiguille. Ouais. On fait tout avec l'aiguille. Ouais, c'est plus facile. Hop. Tac. Avec l'aiguille,
Beaucoup plus simple. Hop. Comme ceci. Et après, on va refaire une boucle. Et on va remettre Scooby-Doo et Perle. Une perle et un Scooby-Doo. La perle, Voilà. elle est là. Donc je passe la perle sur l'aiguille. Je passe le morceau de Scooby-Doo. Et on vient tout enfiler sur la boucle. Si j'arrive à placer avec l'aiguille, voilà. Ça s'enfile tout seul. Après, on refait une boucle. On refait une deuxième boucle à combien de centimètres environ? Wow. 7-8. On Voilà. laisse ça. On fait 3 tours toujours. Autour. Donc la même façon, en laissant ouais, 5-6 cm. Ouais. En fait, la longueur pour l'octopus. Hop, on serre. Serre bien fort. Et l'excédent là, on le coupe. Il n'y a pas d'excédent. Si, y a un excédent. Ah non, il n'y a pas d'excédent, j'ai rien dit. Hop, après on prend Il n'y a l'octopus, pas d'excédent. on le met sur l'aiguille. Tu ne vois rien. Enfile l'octopus bien au milieu. Non mais c'est pas comme ça, c'est comme ça. Dans ce sens, tu mets pas d'abord le filtre. On peut. D'accord. On met l'octopus. Vas-y, fais glisser. Hop, c'est des octopus de la lande là. Ils sont pas mal. Après, on met un Mais filtre. il y a plein Un petit de filtre. marques. Le filtre à tabac, comme je vous ai dit. On le pique bien au milieu. Bien droit. Et hop, Hop, on voilà. voit ça. Et on vient le mettre au milieu de l'octopus. Ceci. On va le faire glisser au fond de l'octopus. C'est un peu compliqué. L'étape la plus pénible. Plus difficile. Le plus long surtout. Parce que le caoutchouc empêche, vas-y lâche. On se retrouve dès que c'est fini. Tac, voilà. Je viens de passer le filtre à l'intérieur, donc vraiment il lui donne une forme, il maintient une forme ronde, il lui donne de la légèreté, il va le faire planer dans l'eau, puisqu'il va maintenir de l'air à l'intérieur. Et après, le triple. Après, oui, il reste plus que le triple à placer. Le triple, c'est pas compliqué. On passe la boucle dans l'œillet. Si j'y arrive. Et après, On la passe. boucle qui ressort de l'œillet, on le passe dans l'hameçon. Pas coincé de petites parties, voilà. Hop. Donc ça donne un nœud comme ceci. Enfin, c'est même pas un nœud, c'est juste le fluorocarbone qui passe sur la boucle. Donc voilà, maintenant après on fait descendre l'octopus et on peut planter l'hameçon dans le filtre. Comme ça il bouge pas et seulement les pointes des hameçons ressortent. Et Il après, reste l'étape, la dernière étape qui petit consiste matériel. à enclencher à l'intérieur les gaines silicone des perles. Donc voilà, c'est bon. Donc ça, on voit bien que ça peut circuler sur toute la hauteur. Donc la palette va pouvoir faire des vibrations, du bruit. Il suffit ensuite de placer les mérillons au bout et à raccorder sur la ligne. Et après, avoir les animations, qui suivent. Le pompe à la avec une petite topus de la lande marche très bien même s'il n'y a pas de vent. Tout à l'heure avec des bancs j'ai remonté une seule mais en diguant un peu on fait quand même des grosses là. Je vais le relâcher maintenant parce que je passe dans le bruit.
Ah, j'ai retrouvé le bon. Là, ça va dépoter. Très très gros. Ça va être épuisant. Direct. C'est du brochet ça. Bon. Ça c'est du broc. J'espère que je vais me faire couper. Oh non, c'est une perche. Le thon. Ça c'est de la perche de sang. Oh, ma plus grosse perche là. J'ai battu mon record. 50, je pense. 50. Je vais la mesurer parce que là, c'est... Ah, c'est énorme. Énorme. Ah, j'arrive pas bien à mesurer. Cinquante. Perche de 50. Il faut la pince pour ne pas décrocher. Oh, 3 kilos, 3-4 kilos. Putain de perche, on va le relâcher direct. Là. Elle est trop belle, on va le mettre dans la bouche. Hop, une petite bouche. Alexis a fait un joli poisson, il n'avait plus de place sur la mémoire de la GoPro. Il n'a pas pu filmer le combat et tout, mais je vous le montre. Tu nous l'as fait comment Alexis? Au plomb palette. Au plomb palette sur le fond? Ouais. Joli, il fait combien? 94. 94 cm, joli, magnifique.